إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est toujours aujourd'hui, bon aujourd'hui premièrement c'est le cours 21 dans l'explication des fondements de la da'wa salafia et on est toujours dans le chapitre numéro 5 au sujet de la bid'a et de ses effets néfastes dans la umma. Barakallahu fik. Donc maintenant on est arrivé au point où on explique la position des salafs envers les mubtadi'a. La position des salafs envers les mubtadi'a, c'est le point numéro 7 dans la liste des 10 points qui sont traités dans ce chapitre. Et on a expliqué hier les preuves qui ont rapport avec le fait qu'on ne doit pas apprendre avec les gens de bid'ah. On ne doit pas apprendre avec les gens de bid'ah et on ne doit pas étudier chez eux. Donc on a lu les textes et les paroles des salafs qui ont été mentionnés à ce sujet-là. Et maintenant on va parler d'un autre point qui est relié à ce sujet-là également. C'est par rapport au fait de lire les livres des gens de bid'ah, au fait de lire les livres des gens de passion et de bid'ah. Donc le cheikh il dit wa hukmu qira'ati kutub ahli al-bid'ah wa ahli al-ahwa. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة كتب أهل الكتاب لما فيها من تحريف وقول على الله بلا علم كما في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبغوي في السنة في شرح السنة وحسنه الألباني رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها فقال عليه الصلاة والسلام أمتهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ومعنى متهوكون أي متحيرون أنتم في الإسلام حتى تأخذوا من اليهود والنصارى. Donc le cheikh il commence à expliquer ce point au sujet de l'interdiction de prendre notre compréhension de la part des gens de bid'a en mentionnant un exemple au sujet des livres des gens du livre, hein, au sujet des juifs et des chrétiens. Et il fait une analogie entre l'interdiction de lire les livres des gens du livre, hein, les juifs et les chrétiens, et donc par conséquent l'interdiction de lire les livres des gens de bid'a. Il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de lire les livres des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, parce que dans leurs livres il y a des déformations et des falsifications de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Donc tout livre qui contient ce genre de choses par conséquent est interdit également, comme par exemple le livre des gens de bid'ah, que ce soit les livres des Khawarij ou le livre des Soufiyah ou le livre des Shia Rafida ou le livre des par exemple Asha'ira ou des Mu'tazila ou des Jahmiya ou bien les livres des gens de Hizbiya, ainsi de suite. Tous ces livres là rentrent dans cette catégorie de choses qui sont interdites
des livres qui sont interdits à lire. Il dit كما في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده. Donc Omar ibn al-Khattab, il y a un hadith qui est mentionné dans la musnad de l'imam Ahmad et également apporté par Al-Bahawi dans son livre Sharh al-Sunnah, et il a été déclaré par Sheikh al-Albani comme étant un hadith qui est hassan. C'est un hadith qui dit que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est allé voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: nous entendons des paroles de la part des juifs qu'on aime, des paroles qu'on aime entendre de la part des juifs qui sont intéressantes ou qu'on aime. Est-ce que tu penses qu'on peut, est-ce que tu considères qu'on pourrait écrire ces paroles, c'est-à-dire écrire les paroles de que ces juifs-là rapportent parmi les hadiths des juifs? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn Khattab radiallahu anhu: est-ce que tu es confus, ô Omar, dans ta religion, de la même manière que les juifs et les chrétiens sont confus? Certes, je vous l'ai amené, c'est-à-dire cette religion pure et éclatante. Et c'est-à-dire la vérité qui est dans ce que j'ai amené, c'est pur et c'est éclatant. Et si Moïse était vivant aujourd'hui, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Si Moïse était vivant aujourd'hui, il n'aurait d'autre choix que de me suivre, moi. Donc même si Moussa alayhi salam était vivant, parce que souvent on parle avec les juifs et les chrétiens, on les appelle à l'islam et on leur explique par exemple, parce que souvent ils vont dire: ben nous dans la Bible c'est écrit telle ou telle chose, on leur dit: oui mais ça c'est dans la Bible, mais la Bible elle a été falsifiée. Donc ils disent: ah mais donc c'est, puisque ça a été falsifié, vous croyez pas en la Bible. Et en réalité, qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ce sujet-là? C'est que même si la Bible n'était pas falsifiée, on doit plus s'y référer aujourd'hui, puisque le Coran est venu abroger tout ce qui était révélé auparavant. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: même si Moussa alayhi salam lui-même était vivant aujourd'hui en personne, et qu'il nous citait la Torah, eh bien Moussa lui-même n'aurait aucun autre choix que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la sharia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça s'applique à si ça s'applique à Moussa alayhi salam, ça s'applique à tous les autres qui viennent après lui, comme parmi les juifs qui se disent juifs aujourd'hui, qui prétendent suivre Moussa alayhi salam. C'est une obligation pour eux aujourd'hui de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une des versions de cette histoire qui est rapportée. Sinon dans une autre narration, on mentionne que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait une page de la Torah dans sa main et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu avec ça. Il lui a dit: est-ce que tu es confus dans ta religion, il y a Omar ibn al-Khattab? Et Omar lui a dit qu'il lisait ça comme ça juste pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si Moussa alayhi salam était vivant aujourd'hui, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Et donc mutahawikun, comme c'est mentionné dans le hadith amutahawikuna ibn al-Khattab, ou bien amutahawikuna kama tahawakat al-Yahud wa al-Nasara, mutahawikun ay mutahayyirun, c'est-à-dire est-ce que tu es dans la confusion par rapport à ta religion, est-ce que tu es confus, est-ce que tu es dans le doute, est-ce que tu es confus au point de prendre ta religion des juifs et des chrétiens? Le cheikh il mentionne ensuite, il dit: ولذلك قال الذهبي رحمه الله لا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة وأما النظر لغرض الرد على أهل الكتاب فلا حرج, انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne ici une parole dans Sir A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi. Il lui dit: il n'est pas permis pour personne d'entre les musulmans, après la révélation du Coran, de lire la Torah. Il n'est pas permis à quiconque de lire, après la révélation du Coran, de lire la Torah. Excepté dans le but de regarder, excepté de regarder dans le but de les réfuter, c'est-à-dire dans le but de réfuter les gens du livre, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un va lire dans la Torah pour répondre aux gens du livre, puis pour les réfuter, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais comme les ulama l'expliquent, et ça, c'est pas mentionné ici, mais d'autres clarifications des ulama dans d'autres livres expliquent qu'il y a également une autre condition à ça. C'est que la personne qui
se réfère au livre des gens du livre, ou à la Torah, ou bien au livre précédent, qu'il doit être quelqu'un qui est fermement ancré dans sa croyance islamique et dans sa aqida, et qu'il ait une base très solide dans la compréhension de l'islam. Sinon, il n'a pas le droit de regarder, même pour s'il pense qu'il veut juste regarder par curiosité, ou bien il veut juste se cultiver, ou bien il veut juste essayer de les réfuter. Tu ne peux pas les réfuter si tu n'as pas de science et si tu n'as pas une bonne aqida solide. Donc, ce n'est pas permis pour n'importe quel d'entre les musulmans. C'est permis uniquement pour les ulama et pour les gens qui sont des étudiants très avancés dans dans l'islam et qui ont une bonne aqida. Et c'est pour cette raison que les salafs ont interdit de lire les livres des gens de bid'ah. Pourquoi? Parce que toi, tu vas lire les livres des gens de bid'ah, tu vas te mélanger avec. Tu vas voir qu'eux, ils ramènent des choses, tu vas penser que c'est vrai alors que c'est faux. Hein? Et peut-être ils vont ramener quelque chose de faux, toi tu vas penser que c'est faux. Ils vont mentionner quelque chose de vrai, tu vas penser que c'est faux. Parce que tu connais pas l'islam suffisamment. Donc, c'est pas permis pour les musulmans de lire les livres des gens de bid'ah. Et donc, encore la même chose que comme les ulama ont dit par rapport aux livres des gens du livre, qu'on n'a pas le droit de lire la Torah, sauf pour les réfuter. La même chose au sujet des livres des gens de bid'ah, on n'a pas le droit de les lire, excepté pour un savant, quelqu'un qui est établi dans la science de l'islam et qui va lire les livres des gens de bid'ah dans le but de réfuter les gens de bid'ah. Dans ce cas-là, ça peut même être obligatoire pour les ulama de les lire et de les réfuter. Mais pas pour le commun d'entre les musulmans qui n'a pas suffisamment de science. Et ça c'est très important de le comprendre. Parce que l'attitude générale de certains musulmans, c'est qu'ils s'imaginent que par le simple fait d'être né musulman et d'avoir grandi dans l'islam, d'avoir étudié l'islam depuis leur enfance à l'école, ils pensent que ça c'est suffisant comme connaissance de l'islam pour être capable de lire dans les livres de l'islam et des gens de bid'ah et des livres des chrétiens et des juifs et qu'ils connaissent suffisamment l'islam et qu'ils ont une bonne base. Non, c'est pas ça que ça signifie d'avoir une base solide dans l'islam. Ça veut dire quelqu'un qui a étudié l'islam avec les ulama, qui est fermement ancré dans son tawhid et dans sa aqida, qui a étudié de façon approfondie la religion. Donc c'est pas, il y a une différence entre quelqu'un par exemple qui est un musulman qui a pris des cours d'enseignement religieux à l'école, qui a appris les cinq piliers de l'islam, puis qui connaît les choses élémentaires de sa religion qui sont obligatoires à chaque musulman, puis quelqu'un qui a un doctorat en aqida ou en sciences de tawhid. On ne peut pas comparer les deux. Donc il faut que les musulmans sachent ça, même s'ils sont nés musulmans, même s'ils ont lu le Coran depuis leur enfance, ça ne fait pas d'eux des savants, et ça ne fait pas d'eux des gens qui sont aptes à rentrer dans ces genres de livres et dans ces genres de choses. Ça c'est réservé aux ulama et aux étudiants très avancés dans la aqida de l'islam. Et parfois des gens se sont avancés dans la tentative de vouloir réfuter les gens de bid'ah par eux-mêmes, ou même de vouloir réfuter les chrétiens et les juifs par eux-mêmes, sans avoir une connaissance suffisante de du Coran et de la Sunna et des positions des salaf al-salih. Et à cause de ça, ils ont essayé de les réfuter, mais ils ont inventé d'autres bid'ah en essayant de les réfuter. Et ils ont dévié eux-mêmes et ils ont fait dévier beaucoup d'autres personnes à cause de ça. Et beaucoup de sectes musulmanes sont apparues dans la Oumma à cause des tentatives de gens qui sont ignorants, qui ont voulu réfuter les koufars ou les gens de bid'ah. Comme par exemple les Jahmiya. L'apparition de la secte des Jahmiya, à l'origine, c'est quelqu'un qui voulait réfuter les philosophes. Et les athées, et les bouddhistes, et les autres matérialistes. Il a essayé de les réfuter, et puis il n'a pas été capable. Il les a réfutés, mais en se basant sur sa logique, sur sa tête, avec des arguments qu'il a inventés lui-même, sans se référer au Coran, sans se référer à la Sunna. Le résultat de ça, ça a été quoi? Ça a été l'égarement.
Ça a été la création de cette secte qu'on appelle les Jahmiyyah, qui sont plus égarés de l'islam que les juifs et les chrétiens. Puis sont venus les Mu'tazila. Et les Mu'tazila ont dit, nous on va réfuter les Jahmiyyah. Et on va réfuter les philosophes. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc ils ont essayé de réfuter les philosophes en se basant sur la logique eux aussi. Et ils ont ramené une nouvelle secte dans l'islam, eux aussi. Et ils ont nié les attributs d'Allah, ils ont nié le qadar, ils ont nié plein d'autres aspects de la religion. Ils ont déclaré les croyants qui font des grands péchés comme étant en dehors de la foi, et ainsi de suite, à cause de ces erreurs-là. Puis sont venus les Asha'ira par la suite. Et eux aussi, ils ont essayé de réfuter les erreurs des Mu'tazila et des Jahmiyyah. Ils ont dit, on va les réfuter ceux-là. Ils ont ramené des innovations. Et ils ont dit, on va se baser nous aussi sur la raison et sur la logique. Donc ils sont rentrés dans la tentative de vouloir réfuter les Mu'tazila. Mais ils les ont réfutés à moitié encore une fois, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances du Coran et de la Sunna et de la position des Salafus Salih. Et donc ils ont créé une nouvelle secte qu'on appelle la secte des Asha'ira ou Ash'ariyya. Même si l'imam lui-même, Abul Hassan al-Ash'ari, on dit de lui qu'avant la fin de sa vie, avant de mourir, il s'est repenti de qu'est-ce qu'il avait innové, puis qu'il est revenu à la croyance d'Ahlus Sunnati wal Jama'a avant sa mort. Mais ceux qui suivent aujourd'hui ce que cet imam-là avait suivi durant sa vie, et ils ont continué sur la même voie qu'il avait avant sa repentance. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, Abul Hassan al-Ash'ari, il est resté 40 ans dans la secte des Mu'tazila, pendant 40 ans de sa vie. Puis, après, il s'est repenti. Il a quitté la secte des Mu'tazila. Il a essayé de les réfuter. Mais comme je dis, avec un manque de connaissance de la Sunna et avec un manque de connaissance de la position des Salafus Salih. Il a donc innové quelque chose de nouveau, une nouvelle secte qu'on appelle la Ash'ariyya. Et on l'appelle aussi Al-Kullabiyya. Puis, à la fin de sa vie, il s'est repenti, il est revenu à la position de Ahlus Sunnah wal-Jama'a. D'accord? Il a écrit deux livres là-dessus, à ce sujet-là. Al-Ibana fi Usul al-Diyana et un autre livre qui s'appelle Maqalat al-Islamiyin. Pour Maqalat al-Islamiyin, ça c'est deux livres qu'il a écrits dans lesquels il expose la aqida d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Malgré qu'il reste encore dans ces livres-là quelques traces d'erreurs dans la aqida, mais en grosse partie c'est la position des Salafus Salih. Donc ça, c'est des exemples comment des gens, quand ils ont essayé de réfuter des gens et faire des réfutations des gens sans connaissance, ils ont eux-mêmes ramené dans l'islam des innovations et des bidards. Parce qu'ils ne se sont pas limités à réfuter les faussetés de ces gens-là en se basant sur la révélation du Coran et de la Sunna. Ils ont voulu dépasser ça et se baser sur ce qu'ils considéraient, eux, être la raison ou la logique des Grecs. Ils ont dit, on va se baser sur la logique grecque d'Aristote et de Platon et des autres, puis on va se baser sur ces règles rationnelles pour réfuter les autres, des gens de Bida. Et c'est comme ça qu'ils ont dévié. Après, le cheikh, il dit, wa qala l'imam Ahmad, iyyakum an taktubu an ahadin min ashab al-ahwa qalilan wa la kathiran. وعليكم بأصحاب الآثار والسنن. Donc l'imam Ahmad ibn Hanbal, un des imams qu'on appelle, un des quatre imams, l'imam qu'on appelle l'imam d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, il a dit, prenez garde, je vous mets en garde contre le fait d'écrire quoi que ce soit de ce que vous dit les gens de Bid'ah, que ce soit petit ou grand, c'est-à-dire que ce soit peu ou beaucoup. N'écrivez rien des gens de passion et accrochez-vous aux gens qui sont sur les narrations, les hadiths et sur les sunnans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et accrochez-vous à ça et prenez votre religion de ça. Donc, ne prenez rien des gens de bid'ah et des gens de passion et prenez uniquement des gens qui sont sur la sunnah.
Donc ça, c'est pour réfuter les gens qui viennent à notre époque et qui disent aux musulmans, prenez votre religion de tout le monde. Puis après, vous faites le tri. Qu'est-ce qui est bon, vous le prenez. Qu'est-ce qui n'est pas bon, vous le mettez de côté. Alors qu'ils s'adressent à des gens qui n'ont pas de science. Comment ces gens-là vont être capables de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux? Et comment ils vont savoir comment faire le tri entre le vrai et le faux s'ils n'ont pas de base? C'est pas possible. Hein? Et je me rappelle au tout début, quand j'ai commencé à évoluer dans l'islam, parce que dernièrement, subhanallah, j'étais allé dans une mosquée. Et dans cette mosquée, j'ai trouvé, ils ont mis des bibliothèques à l'intérieur de la mosquée avec des livres. Et il y a beaucoup de livres dans cette bibliothèque qui sont en anglais et en français et en arabe. Et je faisais le tour des livres qui étaient là en français et en anglais. Et je me souviens que, à l'époque, lorsqu'on allait dans différentes mosquées ou des centres islamiques, on voyait tous ces titres. Et c'est aujourd'hui, juste en retournant à ces titres qui étaient dans la bibliothèque, j'ai réalisé que la plupart de ces livres-là, peut-être trois quarts des livres qui sont dans cette bibliothèque, sont des livres écrits par des gens inconnus, ou bien des gens déviés, ou bien qui défendent ou qui prônent des croyances qui sont en contradiction avec la croyance d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Soit que ce sont des livres écrits par des Shias, ou par des Soufiyines, ou par des Asha'ira, ou par des Hizbiyines, ou par des gens de groupes différents et de tendances différentes dans tous ces titres. Hein? Donc c'est pour dire que à l'époque, on rentrait dans une librairie, on rentrait dans un centre, hein, et on vient de se convertir à l'islam, donc on n'a pas de base. Et on nous propose tous ces livres devant nous. Et on n'a pas d'outils ou de références pour distinguer entre ce qui est vrai et faux. Et donc on commence à lire. On prend un petit peu de celui-là, de celui-là, de celui-là, et on est tout mélangé par la suite. Et c'est pas étonnant par la suite de voir que des convertis ou bien des nouveaux musulmans ou des gens qui commencent à pratiquer l'islam, après l'avoir négligé, reviennent à l'islam et qu'ils sont complètement mélangés dans leur aqida et dans leur compréhension de l'islam, puisque les références qu'ils ont sont des références incorrectes. Et à Montréal, en particulier, je peux dire ça parce que je connais plus la situation ici, je peux dire que la vérité et la réalité, c'est que la majorité des livres qui sont disponibles pour les gens comme référence pour connaître l'islam sont des références incorrectes, qui contiennent des déformations et des déviations ou des falsifications et qui ne se concentrent pas sur les bases et sur les fondements de la aqida de l'islam. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont confus ou mélangés dans leur compréhension et dans leur connaissance de l'islam. Donc ça c'est une première shubha, ceux qui vous disent prenez de tout le monde. Et des fois ils vont se référer à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, à propos de quelqu'un qui lui avait enseigné quelque chose, il lui a dit que c'était le shaitan qui était, parce que pendant trois nuits, il protégeait le butin, puis il y a un homme qui venait pour voler de ce butin. Chaque fois qu'il l'attrapait, il le laissait partir, puis la dernière fois, il lui a dit, si tu me laisses partir, je vais t'apprendre quelque chose. Si tu le dis, le shaitan va te protéger, il ne pourra pas t'approcher durant la nuit. Alors, il lui a dit, c'est quoi? Il a dit, c'est de réciter Ayatul Kursi. Hein? Alors, il a laissé partir cet homme. Et il a laissé partir cet homme, et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Il a dit, cette nuit, j'ai revu encore le voleur, et il m'a dit que si je récitais Ayatul Kursi, avant de dormir, le shaitan n'allait pas m'approcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu sais qui c'était ton compagnon qui est venu te visiter pendant les trois nuits? C'était le shaitan. Il a dit, sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit vrai alors que c'est un menteur. Hein? Il t'a dit vrai, cette chose-là qu'il t'a dit là, c'est vrai. Par rapport au fait que si tu récites Ayatul Kursi, le shaitan ne peut pas t'approcher. Ça c'est vrai. Sauf que c'est un menteur. Et les gens de Bid'a aujourd'hui, ou les Hizbiyines, ils se basent sur ce hadith-là pour dire, bon ça veut dire qu'on a le droit de prendre la vérité même du shaitan, donc on a le droit de prendre de tout le monde, sans faire de distinction.
Mais si tu fais ça, tu vas prendre ta religion de n'importe quel égaré et de n'importe quel qui est dans une personne qui a des erreurs ou des falsifications de l'islam ou des, il y a des contradictions dans les fondements de la aqida, hein, tu te mets toi-même à la proie de toutes sortes de formes, de différentes formes de déviation et d'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pas dit va apprendre ta religion chez le shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juste dit il t'a dit vrai alors que c'est un menteur. Et si tu observes bien le hadith comme il faut, tu vois que Abdullah ibn Mas'ud, il n'a pas cru en ce que la personne lui a dit. Il n'a pas accepté ce que la personne lui a dit comme ça. Parce que ça fait partie du raïb. Tu ne peux pas savoir si... Qui t'a dit que... Hein, ce n'est pas un prophète. Qui lui a dit que si tu récites Ayatul Kursi, le shaitan ne peut pas l'approcher. Il l'a pas accepté tout de suite. Il a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, voici ce qu'il m'a dit. Est-ce que c'est vrai ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a confirmé, lui a dit « Oui, ça c'est vrai, mais sauf que c'est un menteur. » Donc, les ulama ont dit « Tu ne peux pas donc prendre ta religion des gens que tu ne connais pas ou des inconnus sans que tu aies vérifié par la suite l'information qu'ils t'ont mentionnée chez les ulama. » Et que tu leur demandes, est-ce que cette personne-là, ce qu'elle a dit, c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ainsi de suite. Tu vérifies. Aujourd'hui, non. N'importe qui, on invite quelqu'un, on connaît même pas. Et parfois, on connaît la personne comme étant un égaré. Une personne qui a des déviations dans son islam. Et malgré tout, les gens invitent les autres à aller les écouter. Et à aller prendre leur religion de ces gens-là. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Puis quand on leur dit, ya akhi, pourquoi, comment tu vas inciter les gens ou inviter les gens à aller dans cette conférence, ou aller dans ce cours, ou aller dans cette halaqa, ou aller à cet endroit, ou aller dans cette mosquée, ou ainsi de suite, où les gens sont dans l'égarement, où les gens appellent à la bid'a, et ainsi de suite, ils te disent, ya akhi, c'est des musulmans, on est tous musulmans, hein, il faut prendre de tout le monde, on peut même prendre du shaitan, hein, si le shaitan te dit la vérité, tu, ainsi de suite. Des shubuhat. Pour mélanger les gens, pour confondre les gens. Parce que on connaît les gens d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. On sait qui ils sont. On connaît les gens qui suivent la voie des Salaf al-Salih. On sait qui ils sont. Pourquoi on fait semblant qu'ils n'existaient pas? Et pourquoi on réfère les gens à aller vers des inconnus ou des gens qui ont des erreurs alors qu'on sait qu'ils ont des erreurs? Hein? Ça, c'est de la malhonnêteté. Et comme un frère expliquait un jour, il disait, imaginez si vous connaissez la présence d'un puits dans lequel il y a du poison, hein, que ce puits-là, il est empoisonné. Et vous le savez, et vous voyez tous les jours les musulmans, et les gens en général, venir s'abreuver dans ce puits, prendre de l'eau empoisonnée et rentrer chez eux pour s'abreuver eux-mêmes et abreuver leur famille avec cette eau. Est-ce que le fait de savoir que cette eau-là est empoisonnée et de rien dire ou ne pas mettre en garde, ça c'est pas une forme de crime? Hein? Ça c'est un crime, hein? Et donc celui qui connaît l'égarement d'un individu ou d'un livre et qu'il sait que dans ce livre ou dans cette cassette ou dans cet audio ou dans ce site internet ou dans cette mosquée ou dans ce lieu ou dans ce centre qu'il y a des égarements, qu'il y a des faussetés, qu'il y a des choses contradictoires avec la aqida d'Ahlus Sunnah wal Jama'a et en contradiction avec la croyance et la compréhension des salafs, toi tu le sais, tu dis rien. Tu mets pas en garde les gens contre ça. Et tu les invites à se référer à ces choses-là, comme si c'était correct. Est-ce qu'il n'y a pas un crime là-dedans? De la même manière que celui qui cache la réalité de ce qu'il sait à propos d'un puits qui est empoisonné, c'est la même chose. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est la même chose. Tu vois dans des mosquées ou dans des centres islamiques, ils mettent n'importe quel livre. Des livres écrits par des gens qui sont connus comme étant des gens de bid'ah, qui ont des shubuhat de takfir, des shubuhat de khawarij, des shubuhat de soufiya, des shubuhat de... et ainsi de suite, hein. Et là, sahih, yani, Allah musta'an. Donc, moi je me souviens, wa alaykum salam wa rahmatullah, je me souviens même au tout début quand on était convertis, subhanallah, chaque fois, quand les tablirs, ils rentraient dans la mosquée, par exemple, ils essayaient tout le temps de nous inciter à venir avec eux. Pour aller avec eux, pour apprendre avec eux, des choses de ce genre. Alhamdulillah qu'on avait
connu un frère qui était salafi, qui était sur la sunna, et qui nous avait averti de ces gens-là, et qui nous avait mis en garde contre les déviations que ces gens-là avaient dans leur compréhension de l'islam et dans les pratiques qu'ils ont qui sont contraires à la sunna. Et à cause de ça, alhamdulillah, on n'est jamais sorti avec eux, hein, même pas une seule fois. Parce qu'on a su que c'était pas ça l'islam, que c'était pas ça la sunna, hein, que ça c'est une bid'a qui est inventée par les soufiyines pour combattre la sunna et pour combattre le tawhid et pour combattre la aqidah d'Ahl Sunnah al-Jama'a. Même si ils le disent pas en apparence, mais hein, des fois on peut hein, par notre silence, le fait qu'on en parle jamais, ça consiste des fois en une des plus grandes formes d'obstacle à justement amener les gens à connaître la vérité, puisque tu leur expliques pas les bases de l'islam, et après les gens s'égarent. Et il y en a qui utilisent les shubuhat aussi parmi les exemples qu'ils disent. Bon, il y a certains ulama parmi les salafs, parfois ils ont cité des hadiths, et dans les narrateurs, on trouve que parmi eux, il y avait parfois des mubtadi'a dans les transmissions des hadiths. Hein? Donc ils vont mentionner que certains des narrateurs avaient des bid'a. Donc ils disent, ça c'est la preuve qu'on peut prendre des gens de bid'a. Et c'est pas vrai, cette parole. Et même que, alhamdulillah, les ulama d'Ahl Sunnah ont clarifié que, à la base, ils ne prennent pas des jeunes bid'a. Et si jamais ils n'ont pas le choix, ils le prennent uniquement avec des conditions très strictes. C'est-à-dire que, premièrement, ils savent que c'est pas un menteur. Parce que si c'est un menteur, ils ne prennent pas de lui. Deuxièmement, que le hadith qu'ils rapportent n'a aucun lien, wa alaykum salam wa rahmatullah, que le hadith qu'ils rapportent n'a aucun lien avec sa bid'a. Concerne pas du tout le sujet dans lequel il a une bid'a, donc ça défend pas son égarement, d'accord. Et que troisièmement, il ne fait pas partie des du'at, il ne fait pas partie des gens qui invitent les autres à cette croyance là c'est-à-dire il a cette bid'a en lui-même, mais il la garde pour lui, il n'en parle pas à personne, il n'invite pas les autres à cette bid'a là ça c'est les conditions que les ulama ont mis pour dire qu'ils acceptaient ou qu'ils allaient prendre le hadith d'un individu qui était sur la bid'a. D'accord? Et donc, c'est pas vrai qu'est-ce qu'ils prétendent à ce sujet-là. Et le cheikh, il dit ensuite, « Wa kana Abu Hatim » Ça peut nous arriver, ça? C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, à l'époque, les ulama, ils prenaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se le transmettaient de narrateur en narrateur, à l'époque, parce que les livres de hadith n'étaient pas encore rassemblés. Et disons que Sahih al-Bukhari n'existait pas encore, Sahih Muslim, et Sunan Abi Daoud, ou Nasa'i, ou Tirmidhi, ou Ibn Majah, ces livres-là n'existaient pas encore. Donc, les gens faisaient très très attention par rapport au hadith et de qui ils le prenaient pour être sûr que la sunna allait être protégée et purifiée de toute fausseté, de toute falsification. Tandis que par la suite, étant donné que les hadiths ont été rassemblés et mis dans des livres, et ainsi de suite, là, bien entendu, c'est pas comme à l'époque, dans le sens que on va plus demander nécessairement par rapport aux narrateurs des hadiths pour savoir leur authenticité ou ainsi de suite. Toutefois, n'empêche que on va quand même vérifier les individus qui transmettent la connaissance de la religion. Si ce sont des gens qui ont des innovations, ou qui ont des erreurs, ou qui ont des problèmes dans leur compréhension de l'islam, ou des bédards, on doit quand même vérifier. C'est pas pour dire que, ah, ça y est, la transmission du hadith, c'est fini. Donc, on n'applique plus maintenant les règles d'ordonnance du bien, d'interdiction du mal, de donner la nasiha, et d'appliquer les principes qu'on appelle al-jarh al-ta'dil. Il y en a qui disent, ah, al-jarh al-ta'dil, c'était juste pour le hadith. À l'époque, pour les transmissions du hadith. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Al-jarh al-ta'dil, ça fait partie de l'amr bil-ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Al-jarh al-ta'dil, ça fait partie d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Ça fait partie de donner la nasiha aux musulmans pour les mettre en garde contre le danger et l'égarement. Ça fait également partie, hein, de al-ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa. Ça fait partie de tous ces principes-là. Donc, c'est pas, ça termine jamais, ça. Hein? Ça s'arrête jamais. Il n'y a pas une époque où on le fait et une époque où on ne le fait pas. Et même si c'est quelque chose qui a rapport avec la dunya, hein? Par exemple, quelqu'un vient te demander ta fille,
ou un autre musulman vient et dit je veux faire business avec toi, je veux faire un commerce avec toi, tu vas pas cacher à cette personne, à la personne, que cet individu qui demande ta fille ou ta sœur, que c'est une personne qui est un menteur, qui est un tricheur, qui est un voleur ou qui est un traître, ou que cette personne avec qui tu veux faire des affaires, c'est une personne qui trahit les gens, qui leur vole leurs biens ou qui fait qui ment. Hein? Si tu connais cette information-là à son sujet puis tu le caches, alors tu es un complice avec cette personne. T'as commis un crime. Donc si c'est le cas dans les choses de la dunya, n'est-ce pas encore plus important dans les questions qui ont rapport avec la religion de mettre en garde les musulmans contre un individu qui risque de les faire dévier dans leur compréhension de l'islam et dans leur pratique de l'islam et dans leur application de la aqida des salafs. Donc ça c'est très important, encore plus que pour les affaires de la dunya. Et c'est ça le jarh wa ta'dil. Et c'est ça à l'origine le but pourquoi les ulama ont établi cette science qu'on appelle jarh wa ta'dil. Ça vient à la base du fait de vouloir ordonner le bien et d'interdire le mal. Et il y a plein de narrations et de hadiths dans le Coran, il y a plein de preuves dans le Coran et plein de narrations dans les hadiths authentiques qui prouvent et qui supportent ce principe dans l'islam. Juste pour mentionner le verset qu'on a mentionné déjà dans les cours précédents, « Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » Si une personne qui est perverse vient vous donner une information ou une nouvelle, vérifiez-la. Donc si c'est des choses comme ça, ça c'est juste un exemple. Et puis il y a les autres preuves de la charia qui sont mentionnées à ce sujet-là dans leur contexte et dans leur... dans leur sujet lorsque c'est mentionné. Après le cheikh il dit wa kana Abu Hatim wa Abu Zur'a, parce qu'il y en a aujourd'hui à notre époque, ils vont essayer de dire ah ça le jarh wa ta'dil, ça c'est Cheikh Rabi' qui a inventé ça. Ça c'est une bid'a, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali qui a inventé ça. Et ils vont dire ceux qui font ça aujourd'hui, c'est des madakhila. Ah ces gens-là c'est des madakhila. Quand ils te voient, ils disent ah lui ah ce gars-là ça Sulaiman c'est un madkhali, c'est un madakhila. Ou bien ils vont dire Jami, ah c'est un Jami. Hein? Alors que Cheikh Rabi al-Madkhali, tous les ulama de la Umma qui sont sur la voie des salaf aujourd'hui, qui sont sur la voie de Ahl Sunna wal Jama'a aujourd'hui, ils ont tous fait la thèse qu'il y a de Cheikh Rabi ibn Hadi. Ils sont tous d'accord sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il a écrit. Hein? Ils sont sur le même manhaj que lui. Et lui est sur le même manhaj qu'eux. Donc de spécifier ou de le désigner comme étant quelque chose de différent ou quelque chose d'à part, c'est juste pour mettre des choubouhats sur les gens, pour faire peur aux gens. Comme ils ont fait avec le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils ont dit ça c'est un wahhabi, hein, c'est la wahhabiyya. Alors que c'est la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est la aqida du tawhid, c'est la voie d'Ahl Sunnah. Donc quand ils veulent faire peur aux gens, quand ils veulent les faire fuir de la vérité, ils leur donnent des sobriquets et des surnoms comme Madkhali ou bien Jami ou bien Wahhabi ou des choses comme ça. Alors que ces ulama-là qu'on connaît sont des ulama qui sont sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui n'ont rien ramené de nouveau. Qui n'ont rien ramené de nouveau à ce que les ulama du passé faisaient. La seule différence, c'est quoi? La différence, c'est que peut-être que certains... à certaines époques, les musulmans ont négligé certains aspects de la sunna et ces ulamas sont venus les faire revivre et les revivifier. Et à cause de ça, les gens ont dit ça c'est nouveau. Alors que c'est pas nouveau. C'est juste que les gens avaient oublié ou vous avez laissé ça de côté. Hein? Le tawhid c'est pas nouveau. Hein? La aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a c'est pas nouveau, mais quand le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est venu et qu'il a combattu l'adoration des tombes et l'adoration des saints et l'adoration des morts et les pèlerinages aux tombes, hein, et qu'il a combattu les bid'a et les innovations, les gens ont dit mais ça c'est nouveau ça, hein? On n'a pas entendu ça avant. Non, c'est pas nouveau, sauf que les gens l'avaient oublié, les gens l'avaient délaissé, les gens l'avaient négligé, et lui il est revenu rahimahullah pour redonner à cette chose-là toute son importance dans l'islam. Et donc, c'est ça qui est important de comprendre, que c'est pas une innovation. D'accord? Et le cheikh il dit ensuite wa kana Abu Hatim wa Abu Zur'a yanhayan an mujalasati ahli al-kalam
والنظر في كتب المتكلمين. Donc Abu Hatim et Abu Zur'a, tous ces deux, c'était deux imams parmi les salaf, ils interdisaient de s'asseoir avec les gens de kalam et de lire dans leurs livres. Donc on va s'arrêter ici inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.